le patriarcat qui nous fait tellement mieux gagner, et notre punition, c'est la violence là qui t'en fait. C'est le féminicide, l'impunité, mon agresseur. C'est le viol, le silence de la censure. La coupable, c'est pas moi, ni moi, ni moi. La coupable, c'est pas moi, ni moi, ni moi. La coupable, c'est pas moi, ni moi, ni moi. La coupable, c'est pas moi, ni moi, ni moi. Le violeur, c'est toi, Il y a eu une grande marche, féministe bien sûr, pour défendre les droits des femmes. Parce qu'encore, en 2020, il y a des femmes qui se font battre, tabasser. Juste parce qu'elles ont fait quelque chose, apparemment de travers. Alors, on était là. Moi, j'y étais. Comme vous savez, moi, je me bats pour les droits des femmes, pour l'égalité entre femmes et hommes. Pas que l'un des deux soit supérieur à l'autre, non. Moi, je suis pour l'égalité. Enfin. Et c'est pas évident. Parce que même à notre époque, on dit, oh, attends, vous avez les mêmes droits, les femmes, arrêtez vos histoires, non. Ben non. Pour la justice, par exemple, eh bien, une femme qui va au commissariat porter plainte parce qu'elle se fait battre par son mari, eh bien, il y a des chances pour que la police, le policier qui la reçoive, se moque d'elle. Enfin, pas forcément, non, mais se moque d'elle quand même. D'une autre façon, un peu plus méchante, moi je dirais. Et tout ça, c'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et même pendant l'alerte du virus, bien, il y a eu des femmes. Alors, on dit, bon, il n'y en a pas eu beaucoup, mais si, il y a eu sans doute des féminicides. On saura à la fin. Sans doute des femmes se sont fait tuer par des salauds. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Alors oui, moi je suis allé, j'ai accompagné Zéro Macho. C'est un mouvement féministe où il n'y a que des mecs, créé par une grande féministe, Florence. Et il y avait bien sûr les membres de Nous Toutes, qui n'étaient pas loin. Il y avait, bon, voilà. Moi je viens aussi pour mon association à Rêve de Farfadet, qui est féministe, depuis un certain temps déjà. Mais voilà, on est là. Là-bas pour dénoncer tout ça, pour dénoncer tout ce qui se passe autour de Roman Polanski. Il y a beaucoup de personnes qui parlent autour de Roman Polanski. Mais ouais. Mais il faut pas. Il pense à lui, certaines personnes disent, mais il faut dissocier l'homme de son métier. Sauf que non. Je suis pas d'accord. Sauf que non. Alors sinon, si vous avez le courage de nous le dire à nous, allez le dire aux victimes. On verra si elles sont d'accord avec vous. Voilà, et le combat. Voilà, on a fait une marche là, le 8 mars 2020. On va sans doute en faire une autre, aux alentours de novembre. Et le combat n'est pas fini, parce qu'on fait des choses. En ce chemin-là, il y a le virus, pour l'instant, qui ne se stoppe pas, parce qu'on fait des choses par rapport à Facebook et tout ça, Twitter, Instagram et tout ça. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Alors, mesdames, messieurs, faites attention à votre entourage. Faites attention. Restez. Protégez-vous. Ne veut pas dire rester avec son agresseur. La police est ouverte. Et certains numéros verts sont ouverts aussi. Merci de
m'avoir écouté. Et à très bientôt.